Je dis, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? C'est pas encore des cris de joie. On peut pousser des cris de joie. Tout est accompli, le diable est dévoilé. Tout est accompli, oh victoire. Tout est accompli, le mal est déchiré. Tout est accompli, oh victoire. Chacun sa pochette pour louer le Seigneur. Des cris de joie, des cris de joie. 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 Des acclamations. Des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations, des alléluia, des alléluia, 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 des alléluia, des alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Louer, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Louer, je vais t'adorer, je vais t'adorer, je vais t'adorer, je vais t'adorer, je vais te louer, je vais te louer, je vais te louer, je vais te louer. T'es qui la joie? Hey, hey, t'es alléluia, t'es qui la victoire? Alléluia. Alléluia. Je vais te louer, je vais te louer, je vais t'adorer, je vais t'adorer, je vais t'adorer. Hey. Est-ce que ton cri de joie peut être? Tu peux manifester ta joie à la gloire de notre Dieu. Nos pochettes pour célébrer le Seigneur. Toujours la victoire. Dieu me donnera 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 toujours la victoire. Vraiment, Dieu me donnera toujours la victoire. Donnera toujours la victoire. Et Dieu me donnera toujours la victoire. Dieu te donnera toujours la victoire. Et Dieu me donnera toujours la victoire. Dieu relèvera toujours ta tête. Et Dieu me donnera toujours la victoire. Vraiment, Dieu me relèvera toujours la tête. Et Dieu me donnera toujours la victoire. Vraiment, Dieu me donnera toujours la victoire. Dieu me donnera toujours la victoire. Dieu me relèvera toujours la tête. Dieu me donnera toujours la victoire. Dieu me donnera toujours la victoire. Vraiment, Dieu me donnera toujours la victoire. Dieu me donnera toujours la victoire. Je parle de quelqu'un dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut les entendre? Est-ce qu'on peut entendre les vainqueurs? Laisse un vainqueur répondre. Je dis, est-ce qu'on peut entendre les vainqueurs en Christ? Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir.
Juges chapitre 13, nous allons lire le verset 3, 4, 5. Amen. Allons-y, Juges chapitre 13. Ceux qui nous suivent très tôt ce matin, Juges chapitre 13. Dieu est vivant. Je pensais que tu avais compris. Je pensais, non, toi tu comprends toujours en retard. J'ai dit Dieu est vivant. Et ton âme est vivante. Il y a des choses que le Seigneur, dans sa grande bonté, ne fera jamais dans ta vie s'il ne t'a pas fait comprendre ce qu'on appelle des préalables. Il y a des choses que Dieu doit te montrer d'abord avant de te faire entrer. Tu vois, tu ne peux pas comprendre. C'est quand tu comprends que tu comprendras. Comprends pour comprendre. Je dis, lève la tête, je dis, il y a des choses que Dieu va te faire comprendre. Afin que tu comprennes. Asseyez-vous, Lucille va rester debout, il va lire. Un ange de l'Éternel. Écoutez très bien. Il y a des visitations et puis il y a des visitations. C'est pourquoi ce matin, n'écoute pas comme celui qui est assis à ta droite ou à ta gauche ou celui qui est à côté de toi. Mais je voudrais que tu écoutes la voix du Seigneur de façon particulière, de façon spéciale. Pour que ce jour-là reste marqué véritablement dans ton cœur. Il y a des anges qui ont visité des hommes sur terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lève ta tête. Les anges ne visitent pas les hommes de la même façon. Et si tu restes dans cette logique-là, tu vas rater le temps de ta visitation. Les anges viennent sur terre pour parler, pour donner un message, pour libérer. Mais ils ne viennent pas de la même façon. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi un ange peut te visiter, mais tu ne sauras pas qu'un ange t'a visité. Et quand un ange te visitera, ce qu'il va te dire, je peux parler là. Je ne t'entends pas. Ça peut te désorienter. Oh, c'est un ange. Ce qu'il te dit à première vue, si tu n'es pas né pour recevoir de Dieu, tu vas voir que la parole de l'ange va ressembler dans un premier temps à une insulte. Les fils engendrés comprennent ce que je suis en train de dire. Les avortons ne comprennent. Vous savez, quand tu as un niveau de compréhension un peu bas, spirituellement, tu ne peux pas comprendre certaines choses. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu comprennes attentivement. Et ceux qui nous suivent aussi à la télévision, sur les réseaux sociaux, écoutez très bien. Je vais introduire quelque chose que j'aurai le temps, avec l'aide du Seigneur, de revenir là-dessus dimanche. Parce que nous allons allègrement vers la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Un ange. Quel est cet ange? Quand un ange vient sur terre, dans l'ancienne alliance, soit tantôt on parle de l'ange. Le ciel te visitera. Tais-toi. Parce que tu ne connais pas la profondeur de ta douleur et tu ne peux pas recevoir. Il y a quelque chose que Dieu va briser dans ta conscience d'abord. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la prise de conscience de la profondeur de ta douleur. Tant qu'un homme, une femme, quand vous voyez, lève ta tête quand on parle d'abord, quand vous voyez que le miracle d'une personne dure, il y a des raisons. Dieu visite pas pour visiter. Quand Dieu visite, c'est pour un but précis.
Il y a des visitations que Dieu opère. C'est lui Dieu qui a opéré. Mais ça ne va pas loin. C'est pourquoi la stérilité de Sarah est plus glorieuse que la fertilité d'Agar la servante. Il y a des épreuves que tu traverses, des humiliations que tu traverses, des abaissements que tu traverses, ce qu'on appelle des échecs que toi tu traverses, ce que tu es en train de traverser qui semble être humiliant a plus de valeur que la promotion de cet impie. Toi, tu ne travailles pas. Peut-être tu n'as pas encore ce que tu attends du Seigneur. Humainement parlant, quand on regarde ta situation, on a l'impression que les choses vont de mal en pire. On a l'impression que le ciel t'a fermé l'oreille. On a l'impression que le ciel t'a oublié. Le mystère des préalables divins. Il y a des choses que le Seigneur, dans son amour, dans son omniscience, dans son omnipuissance, va te rappeler. Qu'est-ce que ça coûte à Dieu de te guérir? Qu'est-ce que ça coûte à Dieu de t'ouvrir une porte de travail? Qu'est-ce qui coûte à Dieu? Qu'est-ce que cela peut bien coûter à Dieu de t'ouvrir une porte pour la promotion? Ça ne coûte rien à Dieu. Mais le problème est quand Dieu fait une chose, c'est que cette chose que le Seigneur a opérée comme miracle doit avoir un impact sur des gens autour de toi. J'aurais voulu qu'aujourd'hui soit dimanche. Je suis fatigué, mais pour que je dise, mais prions pour arriver à dimanche. Voyez ce que je suis en train de dire. J'espère que ton esprit est fertile et comprend. Regardez ce que la Bible dit, un ange, dans le Nouveau Testament, quand les anges viennent, tantôt on dit son nom, hein? Gabriel, les visitations ne peuvent pas se ressembler. C'est pourquoi ne dis pas la façon dont Dieu a parlé, Dieu a visité, Dieu a opéré dans la vie de tel frère, telle sœur, que Dieu fasse de la même manière. Non, toi, prépare-toi à rencontrer Dieu. La façon dont il va se révéler à toi peut bouleverser toute ton histoire. Vas-y, Claude. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit. Ah, Maya Katab. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit. La femme de qui? De Manoach. Le papa de Samson. Regardez, levez votre tête un temps. Levez votre tête, prenez un peu de souffle et regardez avec les yeux spirituels ce que l'ange là va dire à la femme. Et je voudrais que pendant, vous savez, la Bible est esprit. Amen.
C'est esprit qui est là, là. C'est pourquoi Yeshua a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ne lis pas la parole avec tes yeux humains, charnels. Ça, tu ne vas pas comprendre. Il y a un préalable divin. Le préalable, c'est ce qui doit être fait d'abord. Dieu, il ne visite pas comme ça. C'est pourquoi des hommes peuvent prier pendant des années. On peut venir à la prière. Tu peux faire Horeb. Tu peux faire Sinaï. Tu peux faire Carmel. Toutes les prières que nous allons organiser. Pendant que d'autres témoignent, toi tu as l'impression qu'on dirait Dieu t'a mis sur cale. Tu as l'impression qu'on dirait Dieu là. André, il veut te mettre dans quelque chose que tu n'as pas envie de dire. C'est-à-dire, tu dis Dieu, la première prière on a fait Jéricho l'an passé. Après on a fait Horeb. Hein? On a fait quoi encore? Comment? Siram. Dieu, bon, dans tout ça, je suis vraiment, c'est-à-dire, où tu es en train de me conduire, ça ne me plaît pas. Tu es Dieu, il faut que je te parle avec respect. Il y a quelque chose que Dieu, là, quand tu ne le connais pas, tu vas souffrir, tu as l'impression que c'est lui qui te fait souffrir. Or, tu ne connais pas les préalables. Il faut connaître les préalables divins. L'ange vient parler, qu'est-ce qu'il dit? Voici, tu es stérile. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Ça paraît bête et inintelligent. Qu'est-ce que tu es en train de dire que la femme là ne sait pas? Est-ce que quelqu'un, son esprit est ici? Il parle pas. Le message de ce matin est une révélation. Est quelque chose, est une manne cachée pour quelqu'un. C'est pour ça, quand la nourriture vient. Et regarde, il y a des nourritures, même on prépare dans une maison, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est épicé. Ça, c'est un piment dedans. Mais bébé de 3 mois là, il est dans la maison ou bien il n'est pas dans la maison? Ton fils qui va au CP1, 5 ans là, il est dans la maison ou bien il n'est pas dans la maison? Répondez-moi, tu me regardes, on dirait une chose là, ça m'énerve. Mais regarde comme ça, on dirait quelqu'un qui vient de voir un génie. On est tous dans la maison. Mais le repas qui vient être confectionné là, n'est pas pour. C'est la même chose à l'église là. Quand on vient là, la nourriture qui sort, pendant que Dieu visite quelqu'un, lui il tourne ses yeux et dit, ah, qu'est-ce qui a touché le frère là ou la soeur là, et puis elle est tombée sous l'onction là. Mais toi ton esprit est fermé. Il y a 3 portes. Il faut qu'on ouvre les 3 portes là d'abord. Entends lui ou la soeur est venue, les 3 portes sont ouvertes. Vous savez, quand tu t'es préparé pour venir là, quand la parole vient, ça rentre en même temps. Mais quand tu es venu avec toutes tes portes fermées, il faut qu'on ouvre la première porte, la deuxième porte. Avant d'ouvrir la troisième porte, on a dit le culte est terminé. Donc tout ce qu'on a dit là, tu n'as rien retenu. Dis à ton voisin, j'espère que ça là, ce n'est pas pour toi. Dis-lui, j'espère que ce n'est pas de toi, il veut parler. Tu as des portes superposées dans ta tête là. Mais toutes les portes sont ouvertes ce matin. Je vais introduire ce message-là. Dis ce que l'ange-là, il dit quoi? Je ne veux pas regarder. Il dit quoi? Voici. Voici quoi? Tu es stérile. Il parle à qui? À la femme de Manoah. Est-ce que la femme de Manoah est bête? Non. Est-ce qu'elle est folle? Non. Elle ne sait pas qu'elle-même elle est stérile?
Dis frère, pourquoi l'ange il a fait ça? Je ne t'entends pas. Je réponds pas parce que tu parles pas bien. Je ne t'entends pas bien. Bible, on lit, mais il faut qu'on t'explique. Tu viens, c'est quelle salutation? Tu es venu du ciel pour rappeler les douleurs d'une femme? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es venu, on te présente, on dit voici l'ange, il vient de la part de l'Éternel, oh Katerebosh. On dit oui, tu es une femme stérile. Aïe. La femme même regarde, c'est lui là qui on a présenté. Hein. Mais c'est quoi tu me dis? Tu me rappelles mes douleurs, mes souffrances. Tu es en train, tu dis rien de nouveau. Mais ça là, tu vas comprendre. L'ange aussi n'est pas fou. Et c'est pourquoi il commence par là. C'est ça là que sur 10 chrétiens, 8 n'ont pas compris et attendent toujours. Ce préalable doit être révélé. Il y a des choses. Tant que Dieu ne t'a pas révélé, rappelé, il ne peut pas agir. Il faut qu'il te rappelle ton passé sombre, ta douleur, ta souffrance, tes humiliations, tes échecs, ta stérilité. Il sait que tu sais, mais il te rappelle pour que ta conscience, pour qu'en vérité, le voile de l'inconscience, tu es un inconscient, un ingrat de naissance, pour que tu saches quand le Dieu il va agir, que ta cervelle n'oublie pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi il attend. Tant qu'il ne t'a pas fait comprendre ça, il n'agira pas. Sinon, comme un ange vient du ciel et puis il dit à une femme, je vais te parler de la part de Dieu. Je vais te révéler des choses. Ah, Mayanda la boson de l'éca. Tu es une femme. Aïe. Je ne suis pas garçon. Moi-même, je sais que tu vas. Deuxième chose que je vais te révéler. C'est que tu es une femme stérile. Aïe. Tu es fou ou bien quoi? Je sais ça. Il faut avancer. Dieu va te rappeler. Parce que tu as l'impression que ce que tu vis, toi-même, tu n'as pas conscience de la profondeur de l'humiliation dans laquelle tu te trouves. Tu n'as pas conscience, tu sais, mais tu ne connais pas la profondeur de la maladie que tu as. Si Dieu te guérit comme ça, tu ne comprendras pas. Tu seras ton ingratitude. C'est pourquoi vous voyez des gens que Dieu visite. Regardez comment ils viennent rendre témoignage de façon laconique. Qu'est-ce qu'ils posent comme acte? Qu'est-ce qu'ils disent de ce que Dieu a fait dans sa vie? Oui, frère et soeur, que le Seigneur bénisse, gloire à Dieu, alléluia. Et je vais rendre gloire au Seigneur parce que Dieu, dans son amour, je souffrais, et Dieu, dans sa grande bonté, et il m'a délivré. Et quand il m'a délivré, me voilà aujourd'hui. Tu es un inconscient. Le ciel me charge de dire qu'il regrette. C'est pourquoi, vous voyez, il y a deux catégories de visitations divines. Il y a des visitations, quand Dieu te visite, cette visitation est la visitation d'Agar. C'est pour témoigner des choses ordinaires. C'est pourquoi Dieu t'a visité premier. Il y a des gens qui sont dans l'assemblée et des gens qui nous suivent, qui attendent. Dieu ne les a pas encore visités.
Parce que leur témoignage ne sera pas ordinaire. Regarde-moi comment il dit amen. Son ingratitude a commencé. J'ai dit, regardez comment il dit amen. C'est pourquoi Agar a reçu la première. C'est la première à recevoir. Elles sont deux femmes, deux mousseaux. Deux femmes sont dans la maison. Il y a une qui est charnelle, c'est tante Agar. Boyrojan, c'est tante Agar. Connaît pas bien Dieu, c'est tante Agar. Les palabres, les querelles, les murmures, les chercheurs mari, c'est tante Agar. Mais c'est elle qui est la première à recevoir son miracle. Dis frère, c'est quoi ça? C'est ce que tes yeux voient là. Vous êtes tous dans la maison. Elle qui est boiteux façon là, c'est elle qui reçoit premier. Tu es étonné. Les gens même se suicident, ils rendent des témoins. Tu te demandes, dis ceux-là, ils sont quittés où? Dis ah, frère, vous me connaissez dans l'église. C'est pas que je suis un saint. Mais voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait à bon Dieu. Les miracles, je chevauche dans ma vie, on dirait à mes chevaux. Toi-même, tu es là, tu lèves ta tête comme ça. Tu dis Dieu. Dieu, il y a des choses, il ne répond pas. C'est ça que je suis venu te dire. Il y a des gens de la dimension d'Agar sont les premiers à recevoir leur miracle. Dis frère, pourquoi? Leur miracle là va pas loin. Leur visitation là va pas loin. Ça va se perdre dans un désert. Et ce que son miracle a engendré n'ira nulle part. Il y a une maman, une vieille, une mémé qui attend son miracle. Son miracle va être l'objet de conversion. Oh, je ne sais pas où je me trouve ce matin. Je t'annonce ce matin. Je t'annonce ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ, dont je suis l'esclave, ton miracle tarde parce qu'il y a des préalables que Dieu va accomplir dans ta vie. Et quand ce préalable sera ôté et que Dieu va te visiter, ton miracle va servir d'enseignement, ton miracle va servir d'élévation, ton miracle va servir d'éducation, ton miracle va servir de conversion. Je dis de conversion. Je dis de conversion. Des gens entendront ton témoignage, se convertiront, béniront le Seigneur, serviront le Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire Alléluia? Voilà pourquoi est-ce que Dieu établit des préalables avec toi. Il vient et il dit quoi? Tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Mais tout ce que tu alignes là, tu vas où, ange? Quelqu'un vient, il te trouve, il dit, bon ben, oui c'est toi, Madame Kobo, mais ton mari et toi vous n'avez pas d'enfant, toi tu es stérile, et puis tu n'as pas d'enfant, et puis tu n'as rien, et puis il n'y a pas un bébé qui crie dans votre maison. Tout ce que tu dis là, c'est vrai. Ce que tu dis là, je sais, toi tu sais, on fait quoi? Tu dis rien d'extraordinaire. C'est ce que je vis. Le préalable divin, c'est que Dieu va t'amener, il va te rappeler. Il va rappeler à ta mémoire, à ta cervelle, la profondeur de ta douleur. Parce que quand un inconscient, il s'est dit, c'est pour ça que quand vous voulez aider quelqu'un, il faudrait que vous cherchiez à comprendre. Est-ce que lui-même, il est conscient de ce qu'il vit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tu l'aides sans qu'il ne sache qu'il souffre, lui là, sa reconnaissance sera au bout de ses lèvres. Quand il sait que toi tu sais qu'il souffre et qu'il est malheureux et qu'il sent la douleur de l'humiliation, de l'échec, de l'abaissement et qu'il éprouve cela et il sait. C'est pourquoi l'ange dit à la femme de Manoach,
Regarde-moi dans les yeux. Tu es une femme ventre mort. Tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. Mais quelqu'un qui est stérile, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Ça dit, là, il a dit des choses. Quand tu lis, on dirait... Que Congo là. Mais tout ce que l'an il a dit là, c'est cohérent. C'est ce que je vais t'expliquer ce matin. Lis. Donc. Tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant. Quel est ce genre d'ange qui apporte une telle salutation? Regardez la salutation que l'ange a apportée à la Vierge Marie. Il dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, à qui une grâce, une faveur a été donnée. Ça, on appelle ça salutation. Et c'est ce que tu aurais voulu que l'ange fasse à toi. Dis frère, honnêtement, c'est à ça y est pensé. Mais les anges, quand ils viennent chacun avec un message proportionnel à ta douleur. C'est pourquoi ton miracle ne va pas ressembler à ta sœur. Oh Seigneur, visite-moi comme ma sœur qui est là. Ma sœur, ton nom, toi qui as réalité, moi. Mais il m'appelle Kobliaya. Seigneur, visite-moi comme Kobliaya. Oh Seigneur, vraiment ton. Mais s'il doit te visiter comme Kobliaya, c'est que tu dois vivre tout le parcours de Kobliaya. Or, Kobliaya a été agressé 8 fois. Son mari a fait prison 2 fois. Donc, tu vois où tu amènes Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je suis ton enfant, mais je ne comprends pas bien. Dieu. Bon Dieu. C'est pourquoi ceux qui ont bien compris Dieu, quand ils se présentent à Dieu, ils disent que ta volonté, il est venu avec quelque chose. Il apparaît à l'un, à la femme, et dit à la femme, tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. Mais s'il ne dit pas ça, quand cette femme va avoir l'enfant, sa manière de témoigner ne sera pas à la hauteur et à la profondeur des douleurs, des humiliations qu'elle a. Donc l'ange qui est sage te rappelle la profondeur de ta souffrance, tes peines, tes échecs, la douleur de cette maladie, ce que ça t'a montré. L'ange te rappelle tout ça. Tu as l'impression qu'il est en train de t'insulter. Remuer le couteau dans ta plaie. Non, il est intelligent. C'est ta cervelle qu'il est en train d'ajuster. Pour ne pas que tu aies une petite pensée, mémoire de moineau, quand tu vas témoigner. Vous voyez pourquoi Dieu visite certains et quitte la foi? Parce qu'en vérité, ils n'ont pas compris ce mystère. Ce préalable divin, comprendre la profondeur et la hauteur de leur douleur, de leur humiliation, avant que Dieu ne les visite. C'est pourquoi Dieu, quand il veut te maintenir dans la flamme, il veut que ce miracle qu'il va opérer demeure éternellement, lui-même, il va enlever ce voile, il va enlever cette inconscience, il va remuer le couteau dans la plaie, tu dis, que je n'ai pas d'enfant. J'ai souffert dans mon village. Je reconnais. Il dit, maintenant on peut partir. Maintenant que tu ressens la douleur, tu reconnais que tu as souffert, quand Dieu va te visiter, ta façon de témoigner sera un enseignement. Toi-même, tu deviendras un témoin vivant de la grâce de Dieu. Tu vas être un témoignage, c'est-à-dire ton témoignage va amener des gens à la conversion. Parce que ta façon même de témoigner va révéler ce que tu as subi. Tu ne vas pas témoigner du bout des lèvres. Tu ne vas pas servir Dieu
tu bouts des lèvres avec légèreté, négligence, tu ne vas même pas donner. Vous savez pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas les gens à donner? Ne poussez jamais quelqu'un à donner. Son miracle n'ira pas loin. Son miracle se teindra en plein midi. Dieu a visité Agar, mais elle s'est égarée dans le désert. Je vais vous expliquer ça dimanche. Dieu peut te bénir, mais cette bénédiction va se retourner contre toi. Pourquoi? Parce que les préalables n'ont pas été établis. Il y a des choses qui n'ont pas été enlevées dans ta tête, ta cervelle, avant le miracle. Donc tu as reçu, mais ça ne va pas te servir. On a 5 minutes. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est l'introduction. Lis, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, prends bien garde. Prends bien garde. Arrête-toi là. Prends bien garde. Pourquoi est-ce qu'elle doit prendre bien garde? Parce que Dieu est certain que ce qu'il a décidé de son propre chef, le miracle viendra à coup sûr. Est-ce que tu dois parler forcément? Je dis, l'ange dit à la femme, c'était plus facile de dire à la femme, tu vas avoir un enfant, l'enfant sera temps. Non, non. L'ange sait, quand il regarde les types de personnes, il y a des gens à qui leur miracle doit servir d'instruction pour l'éternité. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand Marie a dit à l'ange, et l'ange lui a dit, ce miracle, ce qui va se produire en toi, servira de leçon pour des générations. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Ce n'est pas passager. Les gens qui entendent ton témoignage, ils ne t'ont pas vu, mais ils se convertissent. Des gens qui attendent ton témoignage, ils ne savent pas que c'est toi que Dieu a visité là, qui est à côté. Les gens racontent ton témoignage pendant que tu es là, mais comme ils ne te connaissent pas de visage, ils parlent de toi et ils parlent de ta souffrance, de ton humiliation, de ton abaissement, de l'échec, de la souffrance que tu as subie et de comment la main de Dieu a accompli l'impossible dans ta vie. Comment la main de l'Éternel a rendu possible ce qui était impossible. Tu deviens l'objet de la célébration de Dieu. À chaque fois que les gens entendront ton histoire et ton nom, ils disent non, l'Éternel est vivant. C'est pourquoi Dieu, il va enlever d'abord le prêtre. Il y a des douleurs. Il y a souffert dans ma vie. Quand j'ai fait mon enfance, l'enfant est mouru. Et quand l'enfant est mouru, vraiment. Non. Ça brise ton cœur, ton foi. Quand je parle de ton foi, ce n'est pas ta foi en Dieu. Ton foi, ton poumon, tes intestins sont étriés. C'est-à-dire, la douleur que tu sens, tu préférais la mort. Quand tu as senti ça, quand Dieu va te visiter, deux femmes ont fait enfant. Mais toi, la façon dont tu as témoigné là. L'autre même a témoigné. Bon, je suis venu dire gloire au Seigneur. Et que mes frères et sœurs, que le Seigneur bénit dans son amour. Et que Dieu vous visite. Mes frères, c'est voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et dépose le micro, boum. Toi qui viens, tu as arrêté tes larmes. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Les gens disent, ah, c'est quoi, on n'a pas vu. Il faut parler, toi, de le culte. À cause de vous, le culte est long. Quand quelqu'un vient là, il y a deux catégories qui témoignent. Il y a les Agar. Dis Agar. On dit plus fort Agar. C'est vrai, tu dis bien. Agar parle comme Agar. Dis Agar. Donc quand les Agar sont visités, les Agar aussi sont visités, sont pas titulaires, ils n'ont pas droit, mais eux aussi témoignent. Dis, c'est ça qui m'a choqué. Dis merci frère. Les Agar sont à côté de toi. Elles mènent pas bonne vie. Elles craignent pas Dieu. Les interdits là, elles sont dedans. Mais tu es surpris de voir qu'ils ont des miracles. Mais miracles qu'ils ont reçus là,
c'est leur tombeau. Ils vont se perdre dans un miracle. Maintenant, il y a la deuxième catégorie. Le deuxième type, c'est les Sarah. Quand tu les vois, ils ne ressemblent à rien. Tu les regardes, tu dis, lui là, la mémé l'a fait quoi sur la chair? Changez mon histoire, oh, oh. Jésus a changé mon histoire. Oh. Quelqu'un qui regarde quand je... Il dit la vieille là, les protocoles, les délais, va finir. Mes frères et sœurs, j'ai souffri dans ma vie. Dit, on ne dit pas souffrir, on dit j'ai souffert, maman. Ça, c'est Sarah. Quand tu la regardes, tu peux la rejeter. Son miracle vient en dernière position. Parce que Dieu lui a montré les profondeurs, les entrailles de la souffrance. Attends, la hauteur, la profondeur, la largeur. C'est-à-dire la souffrance, quand il a connu dans toutes ses facettes. Quand il vient dans la présence de Dieu, tu fais comme Anne. Tu ne fermes plus les yeux pour prier. Quand les gens disent, ferme-moi les yeux, tu regardes. C'est lui qui doit dire, maman, on ferme les yeux. Dis, ma fille, c'est bon. Mes yeux là, il y a beaucoup fermé. J'ouvre mes yeux pour voir jusqu'à quand il va venir. Tu es dépassé. Sarah, c'est son histoire qu'on raconte aujourd'hui. On ne parle pas pour l'autre là, tanti là, ta cousine là, ta tanti là. Il y a des témoignages, on parlera de ça pendant 2 jours. Pour toi, on parlera de ça pendant l'éternité. Il y a des témoignages qu'on ne peut pas oublier. C'est pourquoi Dieu attend. Laisse les Agar témoigner. Il y a les Sarah qui vont parler. Sarah parle et son histoire, sa délivrance, c'est de témoignages, d'enseignement, de révélation, d'exhortation, de positionnement, de révélation de la parole. Quand Sarah parle, c'est pourquoi son humiliation est plus glorieuse que la fertilité de Agar. Agar, bon, j'étais enceinte, il a mis au monde un enfant, et l'enfant s'appelle Ismaël. Ismo, c'est mon fils. Les gens qui se disent, les mamans d'église là, les délégués des femmes, les présidents des femmes, les femmes saintes là, où est votre miracle? Nous, on vient d'arriver là. On ne connaît pas grand chose, oh. On ne connaît pas grand chose, oh. Nous, on n'est pas pieux, on n'est pas saints. Mais Dieu, il nous a visités, oh. Alléluia. Quand elle dit ça, tu vas dire quoi? Ben maintenant, si tu es fâché, où est ton enfant? Si tu dis Dieu t'aime tant, il y a des choses devant lesquelles ta bouche restera fermée. Tu n'as pas de réponse. Mais c'est parce que tu n'as pas de réponse que l'ange va parler à ta place. Plus ça dure, plus Dieu sait ce qu'il va faire. Je veux dire à quelqu'un, il y a au moins 7 étapes. La première étape que je suis en train de t'aborder un peu, je vais revenir dessus dimanche. J'ai dit, la première étape, c'est que Dieu, avant de te visiter, pour que ton témoignage serve d'enseignement et de révélation, de positionnement, il faut qu'il enlève dans ta tête l'inconscience de ta douleur. C'est-à-dire, la façon dont tu es inconscient de ce que tu vis. Parce que quelqu'un peut vivre quelque chose, mais il sous-estime. Et comme tu sous-estimes, si Dieu même te délivre, tu ne vas pas le glorifier à la dimension de ce qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen.
C'est pourquoi quand quelqu'un te demande quelque chose, dis non, tu as encore quelque chose. Dieu, il dit, invoque-moi au jour détresse. Il faut aller fouiller dans le dictionnaire et tu vas chercher détresse. Pourquoi dans les voitures, on a mis feu de? On n'a pas mis feu de douleur. On dit feu de détresse. Quand tu ne sais plus que faire, il faut appuyer le bouton là. Quand tu appuies le bouton là. Quand tu appuies le bouton là. Ceux qui sont derrière toi. Commence à ralentir. Ceux qui ont un cœur commencent à avoir compassion. C'est dans la. Dieu n'a pas dit invoque-moi quand tu es gras et replé. Il dit quand tu es dans la détresse. Mais cette détresse, souvent, tu es inconscient. Tu es inconscient. Tu ne sais pas que ce que tu vis là va te tuer. Dieu te rappelle. L'ange dit à la femme, tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. Et c'est une honte pour une femme de ton âge. C'est maintenant elle prend conscience. Et l'ange lui dit maintenant, prends garde à toi. Il y a quelque chose que le ciel va faire pour toi. Maintenant que tu vois, tu es conscient de ton échec, de ton humiliation, de ta douleur. Quand le ciel va te visiter, tu sauras comment bénir, louer, célébrer l'Éternel. Il est 8h30, c'est l'introduction. On va s'élever. On va s'élever. Lève-toi. On ne va pas tout te dire, tu vas aller créer église. Frère, Dieu a quelque chose à accomplir. Et avant qu'il accomplisse ce qu'il a dit, il faut qu'il te rappelle ton inconscience. Il faut qu'il brise certaines choses. Il faut qu'il te rappelle tes souffrances et tes douleurs. Tu vois, quand quelqu'un, regardez ici, quand quelqu'un même veut t'aider, et puis il te dit, ah mon frère, j'ai appris ta souffrance. Vraiment, je suis venu chez vous. Et j'ai vu que tu es vraiment pauvre. C'est-à-dire, soyons honnêtes, à un certain moment, tu commences à prendre ça en mal. Ceux qui sont honnêtes, levez la main. Il y a des gens qui ne croient jamais à ce qu'on dit. Non, j'avais appris comme ça, je pensais que... Mais quand je suis rentré chez toi, j'ai vu la profondeur de votre pauvreté. Tu es aussi pauvre comme ça, Abidjan. On peut être pauvre d'une pauvreté pauvretique. Tu es pauvre. C'est-à-dire, c'est que toi, tu savais, mais ce qu'il vient de dire là, on dirait que c'est maintenant que tu sais que tu es pauvre. C'est ce choc-là que Dieu cherche. Parce que là, quand il va te donner l'argent là, tu sais ce que tu étais. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous dites aux gens, on va donner à Dieu, il marche, on dirait une femme qui est enceinte de 45 ans de grossesse. Comme ça. Quand vous voyez des gens qui donnent, ce n'est pas des gens qui sont riches. C'est des gens qui ont mesuré la profondeur de leur souffrance et la grandeur de la visitation divine. Donc, ce n'est pas ceux qui ont l'argent qui donnent à Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont riches qui viennent témoigner leur gratitude envers Dieu. Non, c'est ceux qui ont vu d'où ils viennent. Quand quelqu'un sait d'où il vient, que Dieu l'a positionné, on ne prie, il ne prie pas pour son humilité. Il est déjà humble. Lui-même, il sait d'où il vient. Quand vous voyez quelqu'un orgueilleux, cette dimension d'agace. Il y a deux catégories. N'oubliez jamais jusqu'à votre mort. Dis frère, on te promet. On parle fort, dis frère, on te promet. Il y a les dimensions d'agace. Ceux-là, ils ont été visités, mais leur visitation ne leur servira à rien. Parce qu'ils vont donner un témoignage ordinaire. Sarah donnera un témoignage extraordinaire. Son témoignage reste dans les annales. Il y a des témoignages, quand tu finis de rendre, on efface.
C'est moi qui te dis ça. Il y a des ministres qu'on a nommés à un certain moment. On ne met pas leur photo dans le... Hein? Parce que c'était une occasion bizarre. Et puis on l'a nommé ministre, il n'a pas fait 2 mois. Il a fait au moins peut-être 5 jours. Et puis il était ministre. Il n'a même pas eu le temps de voir sa voiture ministérielle. Il y a des choses comme ça qu'on voit dans les films. Toi, ton ministère, tu as eu là. On ne peut pas t'appeler ministre. Ministre de 5 jours là. Je t'annonce que toi, la dotation et la nomination, Dieu ne va jamais se repentir. Dis aux deux sœurs là avant de partir, dis je préfère Sarah. Dis après l'explication du frère, je préfère Sarah. Sarah est mieux. Hein? Pour toi là, ça dure. Mais quand ça vient, ça reste dans le temps. Lève tes deux mains, on va dire merci au Seigneur. Remercie le Seigneur, prie le Seigneur, remercie vous tous qui nous suivez dans tous ces pays du monde. Remerciez Dieu. Il y a un préalable divin. Tant que Dieu ne t'a pas rappelé tes douleurs, tes souffrances, tes humiliations, tes échecs, pour que tu prennes conscience d'où il t'a tiré. Quand tu comprendras et tu te rappelleras de ce que tu étais, quand le ciel te visitera, le Seigneur te visitera, tu sauras lui rendre toute la gloire. Lève tes deux mains, prions ensemble le Seigneur. Bouge un peu et prie. Bouge un peu et puis prie. C'est Dieu qui est fort. Je préfère la honte de Sarah à la gloire de Agar. Je préfère la honte de Sarah à la gloire de Agar. De Sarah à la gloire de Agar. Sarah à la gloire de Agar. C'est mieux. Quand Dieu me visitera, je témoignerai ses bienfaits. Le miracle de Sarah sera toujours dans les cœurs. Le miracle de Sarah sera éternel. Dieu qui est fort. Je préfère la honte de Sarah à la gloire de Agar. Je préfère l'humilier à Sarah à la gloire de Agar. Je préfère la honte de Sarah à la gloire de Agar. Je préfère l'humilier à son Sarah à la gloire de Agar. Je préfère la stérilité de Sarah. Je préfère la honte de Sarah à la gloire de Agar. C'est Dieu. Je préfère la stérilité de Sarah que la gloire de Agar. Un miracle éphémère. Dieu me visitera, je témoignerai ses bienfaits. Quand l'Éternel me visitera, je témoignerai ses bienfaits. Mon miracle sera éternel pour tout.
génération. Je préfère la honte de Sarah à la gloire de Agar. C'est Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je préfère la honte de Sarah à la gloire de Agar. Chumo, c'est Dieu qui est fort. Chumo, tant mieux. Je préfère la honte de Sarah à la honte de Agar. Je préfère la honte de Sarah à la gloire de Agar. Hey! Je préfère la honte de Sarah à la gloire de Alléluia. Voilà.